Alors, voilà, tant qu'on y est encore, on va profiter pour changer le petit cerveau au baou là, qui est un peu faible d'origine par celui-là. Donc c'est un EcoBoost HV de, il me semble, comment j'avais pris, je crois que c'était 45 kilos, un truc comme ça. Là, ça doit être ça. Donc on va déjà démonter l'ancien. Voilà. Ensuite, voilà, on va s'embêter, on va prendre la viseuse. Ah ouais, ça va mieux là, non? Ah. Ouais, en plus, je suis... Ah, mais je vais pas m'emmerder là. Mettre un peu, j'ai un petit peu pressé. Voilà, ok. Donc maintenant, on peut sortir notre cerveau. Voilà. On va le débrancher ici. Voilà, tout simplement. On va quand même le garder, hein, parce qu'il marche quand même. Il est fait, mais il marche quand même. Et on va mettre le nouveau. Qui devrait donner complète satisfaction. Entière satisfaction, pas complète satisfaction, n'importe quoi. Voilà. Donc là, il faut déjà faire passer le fil. Voilà. Tout simplement le mettre le nouveau en place. Voilà. Donc là, par contre, doucement. Là, c'est du... On va mettre le couple mini au cas où. On ne va pas abîmer notre cerveau. Hein. Ah, ça m'a l'air pas mal du tout. Ça m'a l'air pas mal du tout. Oups. C'est ça que cet engin est quand même cool pour ce genre, pour ces opérations, parce qu'il est vachement simple d'accès. Tout est simple d'accès. Ça va très vite à changer, on voit un cerveau, on le change en quelques minutes. Tiens, il me manque une des rondelles, elle est là, je la vois. Ah non, c'était pas ça. Voilà, on a récupéré notre quatrième rondelle, qu'on va aller mettre au tournevis parce qu'on est un petit peu désaxé. Non, pour pas abîmer quoi que ce soit. Voilà, super. Maintenant, on va brancher. On va brancher la mie. Voilà. Ça c'est cool, dans la boîte au baou, on peut dire que on a de la place, quoi.
Ça, c'est pas un souci. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est avant de reconnecter le cerveau, il faut connecter la machine, laisser se mettre le cerveau à son point neutre, et après seulement reconnecter ici. Hein. Voilà. On va faire un petit peu de place parce que là, ça commence à être encombré. Voilà, donc là on a connecté le haut-bas sur les batteries, on a allumé la radio. Maintenant on va allumer le petit interrupteur. Voilà. Donc le cerveau s'est mis en place et maintenant qu'il est en place au point neutre, on peut venir se positionner dessus. Donc voilà, on a aligné à peu près notre cerveau au neutre, au point neutre. Donc on le remet en place, on remet la vis, hop. Voilà. On va vérifier aussi ça. Oh, super. Voilà, ça tourne déjà beaucoup mieux que d'origine. Donc voilà, ça c'est fait. Merci.